Le combat, c'est comme tout en fait. On l'a dans les tripes ou on l'a pas, quoi. Cette détermination et surtout ce punch, Flor Hani l'a dans le sang. Les sports de combat et elle, c'est une longue histoire dont la passion est née de ses fréquentations. J'aimais pas traîner avec les filles, je trouvais ça chiant en fait. J'aimais pas les trucs de filles déjà petites, quoi. Tu m'offrais des poupées, je pleurais, quoi. Car Flor est plutôt lutte, grappling, full contact. Ancienne militaire, elle puise dans son mental avec pour objectif d'améliorer sa technique en MMA. Par contre, le jujitsu, j'ai du mal. Hein. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça, mais j'ai commencé à l'apprécier et à m'en faire une raison parce que bah, j'ai pas le choix, quoi. Il me faut cet aspect-là dans le MMA. Mais bon, c'est vraiment la chose avec laquelle j'ai du mal, quoi. Je savais hein, qu'il allait faire ça. Et dès que je me dirigeais d'un côté, hop, il faisait fermer son triangle. Sa discipline de prédilection, c'est la boxe anglaise, qu'elle pratique depuis ses 17 ans. Je me rappelle avoir vu des combats de Mike Tyson et de Marvin Hagler à la télé. Quand j'ai vu ces mecs-là hein, boxer dans un ring, j'ai ressenti un truc, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je sais pas, la boxe, c'était une révélation, quoi. Jeu de jambes et science du déplacement font de Flor une dangereuse strikeuse. La route est encore longue vers l'UFC, mais l'athlète aujourd'hui installée aux États-Unis se donne les moyens de ses ambitions. Je pense que j'ai toujours été une combattante dans l'âme, en fait. Et c'est pour ça que je dis, ça s'improvise pas, quoi. Après, oui, bien sûr, on devient un athlète. On devient un athlète, mais un combattant, on est combattant ou on n'est pas combattant. Gagner sa vie en donnant des coups. À 33 ans, celle que l'on surnomme au pays de l'oncle Sam, Aito Hine, met la barre très haut. Moi, je vise la ceinture de l'UFC, hein, c'est ça. Hein. Alors, je procède par étapes, mais la finalité, c'est ça. C'est ça.